internautes de Marie Builder, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeune dame qui, après une brillante carrière professionnelle, décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle est fondatrice et directrice de deux entreprises. Laurence Nguesson, bonjour. Bonjour Magic Builder. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Bienvenue au cabinet Lola Wines. Merci. Alors, pour tous nos internautes qui vous découvrent, qui est Laurence Nguesson? Alors, Laurence Nguesson est une jeune Ivoirienne de 33 ans, maman de deux petits garçons, entrepreneur, passionnée de tout ce qui a trait au développement du capital humain, à la tête du cabinet de formation Lola Wise, un cabinet innovant qui est spécialisé sur toutes les questions de prise de parole en public, de technique de communication, de négociation, également de team building et de motivation. Nous organisons également pas mal d'événements sur le leadership, l'inspiration et la motivation à Abidjan et bientôt dans d'autres capitales africaines avec Meet and Greet Africa et le forum des femmes leaders, First Ladies. Alors pour en arriver là, vous avez dû faire des études, ce qui est évident. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? Bien entendu. Alors Laurence Nguesson n'est pas formatrice de formation. Je suis économiste de formation, donc j'ai un master en économie avec une spécialité en macroéconomie, monnaie, banque et finance. Donc j'ai étudié, j'ai fait mon parcours, on va dire primaire jusqu'à la terminale. J'ai passé mon baccalauréat en Côte d'Ivoire. À la suite, je suis partie en France. J'ai étudié 4 ans à Paris, à l'université Paris 10 Nanterre, l'économie. J'ai obtenu ma maîtrise. À l'époque, c'était la maîtrise en sciences économiques. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis où j'ai fait un master en économie à The University of Virginia, donc à Charlottesville. Et par la suite, une carrière professionnelle internationale de Washington à Londres, en passant par Paris, de retour en Côte d'Ivoire depuis 2010. Alors, une carrière professionnelle internationale, c'est le rêve de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Dites-nous, qu'est-ce qui vous emmène à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui m'emmène à l'entrepreneuriat? Déjà, la question, il faut revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui m'amène à rentrer déjà en 2010? Comme vous avez dit, carrière professionnelle internationale qui a ses débuts, donc j'ai 10 ans d'expérience professionnelle avant de la reconversion. Déjà, il y a cette volonté-là de contribuer au développement de mon pays, de mon continent. Je me sens beaucoup plus utile ici et donc j'ai choisi de rentrer. Donc rentrer, pas pour être entrepreneur, rentrer et développer ma carrière professionnelle ici, poursuivre du moins ma carrière professionnelle dans mon pays. Alors donc je rentre, comme j'ai expliqué, en plein milieu de la crise politique. Je fais plusieurs expériences professionnelles dans différents secteurs d'activité, notamment chez Jumia, où j'ai été responsable des achats. Donc, Jumia, on a plus ou moins l'historique. Ça a commencé comme un véritable challenge parce que le e-commerce n'était pas ou peu connu en Côte d'Ivoire. Ça a été vulgarisé par cette entreprise-là. J'ai fait partie de la première équipe, du premier staff. Donc pour moi, c'est vraiment une famille. Pour moi, c'est une école également. J'ai été formée, Jumia. En tout cas, de mon retour en Côte d'Ivoire, c'est ma principale expérience professionnelle qui m'a permis de voir que le pays avait également besoin de nouveautés. Il ne fallait pas se dire qu'on devait se limiter aux choses qu'on connaissait. Il fallait voir au-delà et ça coïncide à une période où je suis moi-même en plein dans le développement personnel concernant ma vie personnelle, concernant ma vie professionnelle. Je lis, je mange, je bois, je dors, développement personnel. Et ça, c'est une phrase que je répète tout le temps. Donc maintenant, peut-être il va falloir que je change la cassette. Mais très honnêtement, je perçois clairement le potentiel, mon potentiel, le potentiel de mes voisins, le potentiel de tellement de personnes qui n'est pas exploité. Et je décide de me lancer dans cette aventure-là, de m'engager pour le développement du capital humain par la formation de ce qu'on appelle les soft skills et également par le coaching et la motivation. Donc c'est vraiment sur la base d'une passion personnelle, d'un intérêt personnel que je lance le cabinet. L'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que je suis convaincue que la valeur ajoutée qu'on peut apporter à son pays
passe avant tout par une valeur ajoutée économique. Et c'est de ce dont on a besoin pour des pays comme les nôtres, des pays sur la voie du développement. Est-ce que vous faites face à beaucoup de concurrence ? Dans mon secteur, je ne parlerai pas de concurrence. Je préfère parler de pionniers, de personnes qui nous ont ouvert la voie. J'aimerais citer certaines personnes. Moi, je suis en grande admiration devant des personnes comme Gilles Attahi et autres qui ont ouvert la voie du coaching, de l'expertise en leadership et du développement personnel en Côte d'Ivoire. Après, il y a des personnes qui ont démarré cette activité-là il y a 5-10 ans, Thomas Capot, Serge Taïkba. Je les cite parce que pour moi, c'est très important de parler d'une communauté de jeunes leaders qui repensent la formation, qui souhaitent apporter à la nation. Donc, je ne parlerai pas de compétition, je parlerai d'un écosystème qui est en train de se développer et je suis très heureuse d'être rentrée dans mon pays à ce moment-là pour contribuer à cet élan de développement. J'ai été formée à l'école anglo-saxonne, donc qui a beaucoup d'habitudes qui sont peut-être un peu restées et qui transparaissent dans ma manière d'envisager le métier. Donc je communique, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Déjà, c'est peu cher et on touche directement une cible identifié. J'organise aussi pas mal d'événements, donc les événements font également partie de ma stratégie, si on peut l'appeler comme ça, pour faire découvrir, pour amener les gens à comprendre et à savoir ce qu'est le développement personnel, bien que le développement personnel soit quelque chose de très vaste et on a des spécialités. Il y a des life coach, des personnes qui sont spécialisées sur le coaching de vie, des coachs un peu comme moi, business coach, qui sont vraiment sur les questions de performance, de positionnement de marque, de prise de parole en public et tout. Donc voilà. Voilà un peu comment est-ce que je me développe. Je me suis spécialisée, j'ai organisé des événements, je vais vers ma clientèle et je partage, je mentore des jeunes dans des associations à but non lucratif. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans l'exercice de vos activités ? Alors ça, c'est pas propre à mon secteur d'activité. Je pense que tous les entrepreneurs vous diront la même chose. C'est très difficile de démarrer. Très souvent l'idée est belle, mais c'est le départ qui est peut-être assez difficile, donc sortir des starting blocks. Pourquoi ? Parce que l'environnement, on va dire économique et plus, on va dire fiscal, est assez lourd, donc c'est assez contraignant. Beaucoup de personnes commencent dans l'informel, donc ça pose des problèmes de crédibilité par la suite. Lorsqu'on veut acquérir des marchés importants, on veut postuler entre griffes à des marchés un peu plus gros qui vont justement permettre à l'entreprise de progresser. Donc les départs difficiles. Très peu de soutien des banques, donc également au niveau financier, l'apport de départ qui est presque obligatoire, hein, on ne se lance pas à l'aventure, on parle de jeunes start-up, mais derrière, il y a quand même un apport nécessaire. Donc ça, ce sont des challenges que j'ai expérimenté, mais c'est des challenges pour toutes les entreprises, hein, qui commencent. Parlons de vos débuts. Oui. Est-ce que vous avez trouvé les ressources nécessaires pour vous lancer ? Alors, c'est vraiment des ressources personnelles, hein, parce que j'ai quand même derrière moi, on va dire 11 ans pour dire exactement 11 ans d'expérience professionnelle en local et à l'international. Dieu merci, je n'ai pas dépensé tout mon argent et j'ai maintenu un peu en banque. Et donc, j'ai commencé vraiment sur ces fonds propres. Et après, c'est étape par étape, hein, c'est challenge après challenge, c'est victoire après victoire. On commence petit, pas pour faire comme monsieur Facebook, mais il faut que j'avoue, j'ai commencé dans ma maison, dans une chambre chez moi, avec une équipe qui se demandait, cette dame, où est-ce qu'elle va ? Mais on a bien progressé. Après la première année, on a pris nos bureaux, etc. Donc, il faut commencer petit. Si vous ne m'avez pas demandé si je peux conseiller, mais bon, c'est un peu... je ne peux pas faire autrement. Le conseil que je donnerais à des personnes qui voudraient se lancer, ce n'est pas de rêver petit, mais accepter de commencer petit. Il faut rêver grand,
mais accepter de commencer petit et grandir progressivement. On peut dire que jusqu'à aujourd'hui, vous avez beaucoup grandi. Vos efforts se sont récompensés en 2016 par le prix de l'entrepreneur innovant. Oui, totalement. Alors, il s'agit d'une autre aventure entrepreneuriale. Je parle essentiellement du cabinet Lola Wise parce que c'est mon gros bébé, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est moi. J'ai également eu ma petite pierre à l'édifice de l'entreprise OY Service. OY Service qui est en fait l'entreprise qui est derrière le projet CI Cadeau, 3W Côte d'Ivoire Cadeau. Donc, il y a une plateforme de e-commerce, voilà, on s'y retrouve. Donc, avec mon expertise chez l'ancien employeur, j'ai décidé de mettre cette expertise à profit dans ce projet-là avec un associé qui est Monsieur Jack Ouattara, qui est aujourd'hui celui-là même qui fait bouger les choses et qui est le manager principal de l'entreprise. J'interviens plus comme une consultante là-bas et actionnaire, voilà. Vous gérez deux entreprises, vous avez beaucoup de projets, vous faites beaucoup d'activités, beaucoup de coaching et tout. En même temps, vous êtes une maman de deux enfants. Oui. Alors, la question que moi je me pose tout de suite, comment vous faites pour gérer vie familiale et vie professionnelle? Déjà, je vais dire que c'est peut-être dans l'autre sens que je vois les choses et c'est peut-être ce qui me rend la tâche beaucoup plus facile. Je ne me dis pas que je meuble ma journée et je trouve du temps pour ma famille. Alors, ce qui se passe, c'est plus ma famille. Et ensuite, on trouve le temps pour le travail. Ma priorité, c'est véritablement ma famille parce que je pense qu'on fait tout ça pour être heureux. On ne travaille pas, en tout cas, je pense que ce n'est pas nécessaire. Travailler pour ne pas être heureux, être entrepreneur pour ne pas être heureux, ce n'est pas nécessaire. Et pour moi, j'ai un don précieux du ciel. Mes deux enfants, mes deux garçons, qui me motivent, j'aime bien le dire, parce que je les regarde et je les imagine dans 10, 15, 20 ans. Et je voudrais être pour eux un exemple parfait. De ce qu'une jeune maman entrepreneur battante aurait pu donner à ses enfants. Et donc voilà, mes enfants, ma famille derrière, on va dire une organisation millimétrée, une équipe sur laquelle je peux m'appuyer. Lola Wise n'aurait pu atteindre le niveau et je n'aurais pu faire tout ce que j'arrive à faire si derrière il n'y avait pas une assistante, une secrétaire, un chargé d'événements, quelqu'un qui va gérer l'installation, la mise en place des événements. Donc je félicite, j'encourage et je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé depuis le début de cette aventure sur les projets du cabinet et bien entendu la main de Dieu qui me guide et qui me permet de gérer et d'avoir les priorités, d'être au bon moment, au bon endroit et d'avoir cette détermination et la force physique, la santé physique de le faire. Alors, mesdames, c'est possible d'être mère et chef d'entreprise, d'accord? Ça ne sera plus une excuse pour vous, hein? Alors, Laurence Nguesson, on le sait, il y a toujours une personne qui nous inspire. Vous, qui est cette personne qui vous inspire? Qui m'inspire? Alors, il y a beaucoup de personnes. Est-ce que je peux donner plusieurs personnes? Parce qu'une personne, ce serait me limiter, en fait. Bien entendu, il y a Dieu. Donc, en toute chose, déjà, la compagnie s'appelle, c'est le cabinet Lola Wise. Certaines personnes, dommage, je ne m'avais pas posé la question, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Lola Wise? Bon, Lola, coach Lola, c'est moi, le Wise de l'anglais Wisdom. Donc, Wisdom qui veut dire sagesse. Et pourquoi j'ai appelé le cabinet Lola Wise? Parce que la sagesse, c'est ce que je demande. Et je pense comme un personnage d'un livre que je ne vais pas citer. À qui on a demandé qu'est-ce qu'il voulait, il a dit qu'il voulait la sagesse et tout le reste lui était donné. Donc oui, Dieu est pour moi un modèle et pour moi également une colonne vertébrale qui me permet d'aller plus haut, plus vite et plus fort. Après, on ne va pas aller parler que des personnes qu'on ne voit pas, on va parler des personnes qui sont avec nous ici également. Et notamment, je vais parler de Oprah Winfrey, l'américaine,
qui a un parcours et qui a une vie exceptionnelle, à mon avis. Tout a commencé terriblement, tout a commencé dans la pauvreté, tout a commencé avec les difficultés familiales, une famille plus que modeste, pour ne pas dire presque pauvre, et des traumatismes physiques. Et aujourd'hui, une personne qui inspire l'Américain moyen, l'Américain lambda, l'Américain blanc comme l'Américain noir, qui réussit à faire l'unanimité avec un message simple, un message positif, d'encouragement, de détermination et de succès. Donc pour moi, c'est un véritable modèle. En plus, c'est une femme. Après, je dirais Barack Obama pour l'exploit d'avoir été le premier président afro américain, avoir enchaîné en plus deux mandats et être parti en étant pleuré presque et réclamé. Donc lui et surtout sa brillante épouse. Donc pour moi, voilà des personnes, la liste est longue, hein, très très longue. La liste est longue de ces personnes qui m'inspirent, que je lis donc, et que je suis de loin et en même temps de près. Si la réussite était le résultat d'une formule à trois éléments, que seraient ces éléments? La réussite, formule à trois éléments. Vous auriez pu me dire, je me serais préparée. Alors pour moi, la réussite déjà, c'est quelque chose qui n'est pas, ça ne se définit pas de manière intrinsèque et de manière figée. La réussite pour moi n'est pas la réussite pour vous, ni pour l'internaute qui nous regarde. Alors pour moi, la réussite, c'est un état d'esprit, un état de bien-être. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Pour moi déjà, c'est d'avoir des valeurs. Donc avoir des valeurs, c'est quoi? Ne pas devenir quelqu'un d'autre juste parce que, donc on m'aurait dit, Laurence, tu es économiste de formation, assieds-toi dans une institution financière ou autre et fais ce pour quoi tu as été formé. J'aurais pu atteindre un certain niveau de réussite en étant peut-être au top management de cette institution-là ou de cette entreprise. Mais pour moi, est-ce que j'aurais été épanouie? Non. C'est pour ça qu'à chaque fois que je regarde le mot réussite, je le regarde à la lumière du bonheur, à la lumière de l'épanouissement. Donc déjà, avoir des valeurs, ensuite, faire ce qu'on aime, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer, donc ne pas devenir quelqu'un d'autre, faire ce qu'on aime, travailler avec détermination, avec passion, parce que ça nous permet d'ouvrir et de déplacer des montagnes. Au bout d'un moment, et c'est ce que je pense expérimenter aujourd'hui, on ne court plus vers les choses, et les choses viennent vers nous, on les aspire par cette détermination, par cette envie, par cette passion, par cet amour qu'on a pour ce qu'on est en train de faire. Donc, les valeurs, la passion et la détermination dans le métier qu'on exerce, et ensuite l'amour des personnes autour de nous. Donc la famille, ses collaborateurs, pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui vous le renvoient. Tout ce qui est semé est forcément récolté. Lorsque vous semez dans la vie d'une personne de la gentillesse, de la simplicité, de l'encouragement, de la disponibilité, cette personne-là, peut-être pas en direct, peut-être pas de manière immédiate, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ça vous revient toujours. Valeur, passion et détermination dans ce qu'on est en train de faire et l'amour de son prochain. Formule de réussite, made in Coach Lola. Coach Lola, nous sommes au terme de notre entretien. L'occasion vous est maintenant donnée d'adresser un message à la jeunesse. Alors, à la jeunesse, je dirais, osez rêver grand. Je n'arrêterai pas de dire ce slogan-là parce qu'on est les propres, nous sommes les propres barrières à notre croissance, à notre épanouissement. Osons rêver grand pour nous, osons rêver grand pour notre pays et osons rêver grand pour l'Afrique. Voilà mon conseil. Merci Laurence Nguessan.
On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres émissions. Merci, à très bientôt. Alors, chers étudiants de Magie Builder, merci de nous avoir suivis. Elle a si bien dit, oser rêver grand. Que dire de plus? À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.